Cher fondateur, bonjour, bonsoir. Hier, comme souvent, était merveilleux parce que notre PDG nous a montré beaucoup de choses et j'en profite de cette occasion pour dire qu'il y avait presque 4 000 à 5 000 fondateurs qui étaient connectés sur la table ronde de lundi. Et vous savez que nous sommes plus de 1 million de fondateurs. Ça veut dire que ça montre que les gens ne se connectent pas. Et puis, M. H avait décidé, elle a parlé hier, que certaines choses, les gens qui se connectent, qui montrent qu'ils veulent cette valeur, doivent être les personnes qui peuvent voir en direct ce qui se passe. Donc, il n'y aura pas l'enregistrement dans notre bureau virtuel de cette table ronde hier. Je pense que ça va être comme ça d'ici à les prochaines fois. Bon, ce que je vais encourager les fondateurs à faire, c'est de se connecter dans les prochains webinaires, surtout les webinaires que on sait que H va apparaître. Par exemple, le lundi, je vous encourage à vous connecter, même si vous ne comprenez pas l'anglais, mais au moins vous allez voir quand il partage ce qu'il veut nous montrer à l'écran, parce que là, ça ne va pas être montré à part. C'était très intéressant. C'est pour vous dire de vous connecter, même si vous ne comprenez pas l'anglais, mais ça va vous donner l'idée de là où nous partons. Monsieur H a dit que les fondateurs qui viennent souvent dans cette table ronde posent les questions. Ça veut dire qu'ils se focalisent à les détails, n'est-ce pas? Et il a dit que nous sommes les pionniers, les leaders, les 1% du globe et nous sommes à un niveau différent maintenant, que nous devons mettre les petits détails derrière nous. Ça, c'est très important. Il a aussi parlé que la focalisation de notre cerveau nous amène exactement à ce que nous voulons voir. Donc, il faut qu'on se focalise au grand prix, pas à les petits détails. Monsieur H a dit que nous avons une décision dans le passif basée sur la confiance. Donc, il faut d'abord, les fondateurs qui sont là doivent d'abord, on sait déjà que les fondateurs croient, c'est pour ça qu'ils sont devenus, mais il faut du temps aussi pour développer ces confiances, n'est-ce pas? Et ça se construit avec le temps, comme notre PDG a dit. Et comment ça se construit? Vous savez, il y a beaucoup de réunions de fondateurs. Maintenant, les différentes réunions, et puis on se voit dans ces réunions-là. C'est presque les mêmes gens qui viennent dans ces réunions, et je pense que c'est ces mêmes gens aussi qui se connectent le lundi. Et puis, avec ce temps, on a développé cette confiance, on se connaît entre nous, et effectivement, ça amène en passif à aller à les prochaines étapes, n'est-ce pas? Et M. H a dit que nous avons une approche commerciale qui est différente. Donc, elle a dit que pour cela, pour notre approche qui est différente, les gouvernements, les dirigeants dans certains pays sont intéressés à approcher en passif pour faire partie de ces grands cadeaux, n'est-ce pas? Et puis, M. H a dit que nous contrôlons notre direction en aidant les autres. Et en aidant tous ceux qui veulent se rendre à l'endroit où ils veulent aller. Vous savez, il y a beaucoup de leaders, les 20%, parce qu'il a parlé même de 20% et 80% de la valeur que on passif ou bien les fondateurs donnent à on passif viennent à travers 20% de fondateurs. Et ces 20% de fondateurs, c'est les gens qui participent à les réunions. C'est vous qui suivez maintenant ces vidéos que je suis en train
de faire, n'est-ce pas, pour avoir la récapitulative de ce que notre PDG a dit et d'autres vidéos que les leaders sont en train de faire. C'est ces 20% qui partent maintenant donner cette valeur à leur équipe ou bien à d'autres fondateurs. Donc, c'est ces 20% qui contribuent 80% de valeur dans un passif. C'est très intéressant. Là, ce sont les leaders, là, ce sont les 0,001%, n'est-ce pas, des gens qui vont donner des valeurs dans les années à venir à travers un passif. C'est très important. Et puis, M. H a dit que nous sommes plus importants que le montant de notre portefeuille. Donc, notre valeur, notre participation est plus importante que de penser comment on va gagner. Donc, et puis, il a aussi dit que même si les gens ont déjà payé les 97 dollars qui sont fondateurs, ils peuvent toujours perdre. C'est vrai que tout le monde va gagner, mais le fait qu'on dit tout le monde va gagner, les gens se focalisent au montant dans leur portefeuille, mais ils perdent aussi d'autres valeurs. C'est pour ça qu'il dit que vous pouvez aussi perdre dans le passif si vous ne pensez qu'au détail, par exemple à votre mot de passe, que vous ne pouvez pas entrer dans votre bureau virtuel, les petites choses comme ça, votre email, peut-être changement d'email, ainsi de suite. Donc, si les fondateurs perdent leur temps sur ça, parce que, comme M. H a dit, la compagnie, dès que vous avez cette petite détail, c'est, on connaît déjà, surtout dans le forum francophone, on vous dit, il y a les leaders comme le leader Jordi, comme le leader Thierry, qui assemblent une liste. Vous pouvez d'abord, à travers votre sponsor, contacter notre département de succès des clients avec votre problème. Donc, votre sponsor, si c'est vous qui ne pouvez pas vous connecter à votre bureau virtuel, vous passez par votre sponsor, il peut faire cette demande pour soulever un ticket et patienter tout simplement, ça va être pris en compte. La compagnie ne va jamais laisser un fondateur derrière. Donc, ne vous focalisez pas, faites ce que vous devrez faire par indiquer votre problème et puis laisser le temps pour que ça. C'est ça qui parle de ses confiances, n'est-ce pas? Donc, il faut avoir confiance que un passif va régler votre problème, mais il faut d'abord citer ce problème-là à travers le réseau nécessaire ou bien important, à travers votre bureau virtuel, à travers les listes que les leaders sont en train d'assembler. Mais je vous encourage de faire les deux. Il faut d'abord soumettre et puis avoir le numéro de ticket. Et maintenant, vous pouvez utiliser ce numéro de ticket pour soumettre je parle ici aux francophones, à nos deux leaders qui assemblent la liste et qui classifie donc les situations dont les fondateurs se trouvent. Mais passez le temps à ne pas vous déranger parce que ça va être réglé. Je pense que si vous êtes connecté, normalement, vous avez vu que il y a les situations qui ont été résolues avec le temps. Mais si les fondateurs ne connectent pas, ils ne peuvent même pas savoir s'ils avaient quelques problèmes. Donc, on vous encourage de vous connecter à votre compte. Tout simplement, ça au moins une fois par semaine pour avoir aussi des mises à jour à travers votre bureau virtuel. Donc, c'est ce que M. H a dit, que vous devez développer la confiance que tout ira bien. Et cette philosophie est unique parce que si nous nous concentrons uniquement sur l'objectif de gagner,
nous y arrivons. Nous y arriverons. C'est très important dans ce cas. Et puis, il a dit que dans le passif, nous connaissons notre direction et nous avons décidé de gagner. Donc, il faut que nous tous, en tant que fondateurs, on suit ces directions et ça va nous amener très, très, très loin, n'est-ce pas? Il a aussi cité cette de dire que pourquoi les gens suivent les leaders. Donc, il faut que les fondateurs doivent être en alerte. Être en alerte, c'est de suivre les leaders. Et pourquoi les fondateurs doivent suivre les leaders? Parce qu'ils donnent tellement leur temps pour avoir la réussite de tous les fondateurs, n'est-ce pas? Et puis, c'est pour dire exactement ce que j'avais dit. C'est 20% de ces fondateurs qui guident les autres. C'est important, il faut maintenir cela parce qu'on passe un train d'avancer à une très grande vitesse. Et Monsieur H a dit que comment savons-nous que tout le monde sera dans le passif? C'est parce que c'est très simple. Elle a dit, on le sait parce que lorsque vous faites quelque chose de bien, vous inspirez les autres à suivre. C'est effectivement cela. On passe en train de faire quelque chose de bien et c'est automatique que les autres vont suivre. Et encore une fois, H a partagé notre nouveau site de lundi. Donc, connectez-vous à onpassif.com, c'est un nouveau site, et allez dans votre bureau virtuel parce qu'il y a une copie dans notre bureau virtuel pour tous les fondateurs. Et c'est le lien numéro 59, je pense. Allez là-bas, c'est codé à vous. Et puis, Monsieur H a dit que c'est rien que les 97 dollars qu'on a payés, mais l'entreprise continue à augmenter la valeur pour nous, les fondateurs. Et il a parlé d'un monstre en sciences des données qui est l'un des personnes qui a rejoint notre équipe des employés ou bien de partenaires, parce que lui, il n'appelle pas. il les appelle les partenaires et il y a 4 à 5 personnels qui joignent l'équipe donc passif presque chaque jour. Ça veut dire que la vitesse est en train de prendre place et puis on va tout simplement décoller d'une façon ou bien voler d'une façon incroyable. Donc, Monsieur H a dit que notre travail, le travail donc passif, les sacrifices, les risques qu'ils ont pris portent déjà leurs fruits. Quand on dit risque, vous savez que Onpassif avait déjà commencé tout simplement comme une plateforme de marketing, mais ça a évolué. C'est ces risques, les millions de dollars que Monsieur H et son équipe ont dépensé, ou bien sa famille ont dépensé pour déborder cette phase ou bien cette transformation de tout simplement une plateforme de marketing. Maintenant, c'est devenu très grand, comme vous savez, et il a entendu que ça paye déjà beaucoup de fruits. Il dit que pour ça, pour ce qu'ils sont en train de faire, même ce que notre PDG nous a montré hier, ça montre que beaucoup de personnes peuvent entrer gratuitement pour voir le monde d'un passif, n'est-ce pas? Et puis, dès qu'ils entrent, ils vont m'organiser et continuer vers leur niveau de réussite, n'est-ce pas? S'ils voient, parce que c'est pour ça que je dis que c'était vraiment important d'être connecté, parce que si vous avez vu le protocole de plateforme donc passif, que je ne peux pas aller dans les détails, mais c'est clair que les gens
qui vont venir pour utiliser la plateforme gratuitement. Et comment ils vont venir? À travers notre invitation, à travers notre site web, parce que la compagnie va amener ces gens-là vers nous. Ils ne peuvent pas être dans le passif sans utiliser l'un des liens de fondateurs. Ça veut dire que dès qu'ils entrent, ils auront cette plateforme, c'est clair, mais ils ne peuvent pas avoir accès. Mais ils vont voir qu'ils peuvent toucher à ceci qui existe. Ils auront accès tout simplement à les produits qui sont gratuits. Bon, ils vont venir, ils vont en bénéficier, ils vont aussi pouvoir partager cela. Mais pour aller à un autre niveau, ces gens-là vont commencer à... parce qu'ils vont avoir les outils gratuits, n'est-ce pas? Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Pour aller au-delà, ces gens maintenant vont... donc, quand je dis au-delà, pour commencer à recevoir des commissions, ainsi de suite, ils vont jusque... activer un paquet minimal, n'est-ce pas? Ou bien un paquet minimum. Dès qu'ils activent ces paquets minimum, maintenant, ils vont avoir accès à la commission qui est minimum aussi, n'est-ce pas? Mais est-ce que cela ne va pas les exciter? Ils vont maintenant dire, oh, si je passe à tel autre niveau, supposons que cette personne-là invite quelqu'un d'autre qui vient maintenant, la personne-là achète un paquet qui est au-delà de ce que son invité ou bien la personne qui l'a invité a fait. Maintenant, la personne-là verra la commission de ces paquets plus élevée dans son bureau virtuel, mais il ne peut pas avoir accès à ces fonds. Donc, il ne peut pas retirer complètement. Mais il peut utiliser maintenant pour activer un paquet d'un niveau, un haut niveau pour avoir la condition maintenant de recevoir les commissions pour ces genres de paquets. Ça se passe aussi avec les fondateurs parce que la semaine passée, Ash a dit, même si on active notre paquet minimum, on va avoir les commissions de tout ce que les gens qui viennent à travers notre site vont acheter. Mais ce qui est différent, c'est que ces fondateurs ne peuvent pas avoir accès à ces commissions. Ils peuvent voir, mais ils ne peuvent pas retirer s'ils n'ont pas eux-mêmes activé ces comptes. Mais comme c'est là, ils peuvent utiliser maintenant à activer ces plus grands paquets pour commencer maintenant à recevoir. C'est pour cela qu'on dit que we are in it to win it. Il n'y aura personne qui va être laissé derrière. Donc, c'est la même chose qui va arriver avec ces gens qui ne sont pas fondateurs maintenant, qui vont venir après comme revendeurs, comme clients. Ils vont voir et s'ils décident de vouloir gagner, ils doivent tout simplement activer leur pack et sélectionner d'être revendeur et ils vont commencer à gagner, mais ils doivent activer ces paquets pour retirer la commission. Et Monsieur H a dit, c'est très important parce que jusqu'à ce moment, il n'y a rien. On a tout simplement payé les 97 dollars. Il n'y a rien à payer jusqu'à ce que on nous donne l'annonce dans les réseaux. À travers notre bureau virtuel ou bien à travers le leader que nous tous on connaît, n'est-ce pas? Donc, Monsieur H ne fera jamais de promotion sur aucune autre plateforme. Donc, il ne faut pas que le fondateur tombe dans la piège. Ce sera si on informe que il faut faire quelques paiements pour activer les comptes, ainsi de suite. Ça va être à travers notre plateforme officielle. Quelle est notre plateforme officielle? Ofounders.net. Ça ne va pas être dans Facebook, dans Twitter, dans WhatsApp, non?
On va avoir ça à travers notre bureau virtuel ou bien à travers les leaders de confiance dans le passif. Mais de tous les cas, ça va être dans notre bureau virtuel et ces leaders, dans comme ce que je suis en train de faire à travers notre réseau comme ça, on va annoncer. Et puis, si quelqu'un avait raté le bureau virtuel, la personne-là peut toujours vérifier cette information en se connectant à son bureau virtuel et ça va être direct. Donc, M. H a dit que le principal point à retenir est de se concentrer sur la vue d'ensemble, donc ce qu'on dit en anglais big picture, donc notre objectif, par exemple, ce n'est pas sur les détails. Donc, il faut que M. H a dit qu'on laisse l'entreprise s'occuper des détails et que nous serons informés en tant que fondateurs en cas de besoin. Donc, ne nous dérangeons pas avec les détails. Donc, il a insisté, il a parlé de cela plus de 3 fois. Ça veut dire qu'il veut vraiment que cette information passe. Il a aussi dit qu'il faut qu'on ait confiance à l'entreprise et que ça va nous donner l'information quand nous aurons besoin de l'info. Si l'entreprise a besoin de nous, de faire quelque chose, ça va nous contacter. Bon. Monsieur H a encore ajouté qu'en passif, va faire le bien en étant bon, n'est-ce pas? Que nous ferons le bien en étant bon. Et c'est aussi simple que cela. Ça va continuer à faire cela, ça va continuer à donner beaucoup de valeur. Et il a dit que les entreprises régulières ne peuvent même pas penser comme en passif, qui croient en les fondateurs, à les personnes qui vont venir utiliser notre compagnie. Donc, il a dit qu'il faut s'aimer et s'accepter avant de pouvoir avancer. Donc, nous, entre nous, d'abord, il faut on croit d'abord en notre produit, on s'aime en tant que fondateur et avec cela, on peut avancer. Donc, il a dit que vous faites tout votre bonheur et votre prospérité, ce n'est pas question de penser que ça dépend, votre bonheur et votre prospérité dépend du gouvernement, de quelqu'un d'autre, non. Et donc, mais les fondateurs peuvent être guidés, mais ils doivent d'abord avoir cet esprit de gagnant et refuser de prendre les raccourcis, n'est-ce pas? Donc, quand il dit prendre des raccourcis, parce que vous savez qu'il y a les fondateurs qui ont tout simplement payé les 97 dollars et ils attendent tout simplement, n'est-ce pas? Ils ne participent pas. C'est le raccourci. Ils veulent tout simplement payer et venir après pour voir si quelque chose est tombé dans leur wallet. Mais comment ils peuvent savoir ce qui se passe, comment ils peuvent vraiment, c'est pour ça que M. H a dit qu'amener quelqu'un à balader avec soi est toujours beaucoup plus agréable. Donc, c'est pour ça que j'encourage tous ces fondateurs qui participent de continuer et d'encourager les personnes dans leur équipe aussi de joindre cette balade parce que quand on s'amuse seul, ce n'est pas la même chose comme accompagner quelqu'un d'autre. Il a aussi dit que nous n'avons droit à rien, que nous sommes responsables à tout bonheur et prospérité. Monsieur H a aussi remercié toute l'équipe dont passif parce que ils ont travaillé, ils ont veillé tard pour livrer notre nouveau site. Que je dis, c'est le lien maintenant numéro 59 dans notre bureau virtuel.
Mais si vous partez à onpassif.com, vous allez voir ce nouveau site qui est époustouflant. Et ils étaient là très tard pour voir comment les fondateurs ont recevoir cela, ou bien aussi l'interaction des fondateurs, notre niveau de joyauté, si je peux dire ça, et pour savoir comment régler notre situation. Vraiment, moi, personnellement, je dis merci à notre technicien qui fait tout ce travail pour rien que mes 97 $ que j'ai payés. Je vous dis grand merci. Je peux pas, on ne peut pas dire trop. Et je pense qu'à travers ma voix, vous savez que le fondateur francophone vous dit merci, merci infiniment. Vous savez, il y a beaucoup d'informations que je ne peux pas dévoiler ici. Allez dans votre bureau virtuel et ou la prochaine fois, connectez-vous en direct parce que notre PDG avait insisté hier qu'il y a certaines choses que les fondateurs doivent seulement avoir en direct. Donc, c'est pour cela que cette récapitulatif que je suis en train de faire, je ne suis pas allé dans les produits parce qu'il a parlé de certains produits, l'avancement. Vous pouvez voir ça si vous allez dans votre bureau virtuel, et voir le résumé que M. Peter Soro et les autres ont contribué. Je dis merci à cette équipe qui font les résumés. Allez là-bas. Vous pouvez lire ça en français et vous allez voir les détails. Aussi, je vous encourage de vous connecter. Par exemple, demain, on aura les fondateurs francophones qui vont se joindre pour les mises à jour questions-réponses. Là, vous pouvez poser les questions qui concernent cela et on va vous expliquer. On a aussi ça les samedis. Connectez-vous les samedis. On va parler de cette mise à jour. On peut aller dans les détails parce que ce que je suis en train de faire maintenant, ça va être publié sur YouTube. Donc, c'est tout le monde qui va suivre. C'est pour cela que je veux respecter notre PDG pour ne pas aller dans les aspects qu'il ne veut pas que ça soit public ou bien pour que les fondateurs se connectent pour avoir ça en direct. Monsieur H avait conclu pour dire que profitez de ce que vous avez, pas de ce que vous n'avez pas. Donc, je vous encourage, si c'est la première fois que vous suivez, vous êtes connecté sur cette chaîne ou bien vous suivez l'un de mes vidéos, il faut tout simplement vous abonner sur cette chaîne, cliquer sur la cloche pour que les prochaines vidéos que je vais mettre, vous devez être les premières personnes à être notifiées. Bon, merci et à plus. Bye.